Gabi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de nouveau? Il y a Mortel sur ma liste basse qui viendra accueillir un plomb pour un des montants qui viendra dedans. Donc la mortelle elle fait 3 cm en largeur, 8 cm en profondeur, parce que le tenon lui en fait 7 en profondeur. Donc l'assemblage viendra dedans, puis on le percera pour le chier et on mettra ce qu'on appelle de la tire. Donc dans la cheville, ça veut dire que le trou de la mortaise et le trou du tenon sera légèrement décalé de manière que quand on met notre cheville, on va forcer notre assemblage à s'aligner et donc à coller à la pièce de planche. À titre personnel, alors qu'est-ce que vous avez comme vous avez des monuments plus spéciaux qui vous sont restés un petit peu chers au cœur? Ouais, il y en a. J'ai fait la tour de la Boudole, une poivrière, qu'on appelle. Donc, c'est une tour qui était pas complètement ronde, qui est plus en forme de pomme de terre. Là, elle était impressionnante. Et le château de Chevenceau, déjà des super monuments. Donc, ouais, ça, c'est une bonne fois. D'avoir le privilège de pouvoir travailler dans des sites pareils. Vous êtes en train de réaliser comme ouvrage? Donc un type de colombage qu'on retrouve un peu partout et qu'on voit beaucoup dans les vues là-bas, donc c'est souvent classé. Donc c'est vraiment la structure principale des bâtiments. Au début on le met à nu, on met ce qu'il met à nu. Après on arrive, on fait un sondage, on arrive, on gratte avec des herminettes, on purge le bois, on enlève parce que en chêne il y a quand même une bonne partie d'aubier. Alors l'aubier c'est il y a le chêne qui est à cœur dans la ville, il y a l'aubier tout autour, et après il y a l'écorce. L'aubier il peut être pris aussi dans les pièces de bois, mais l'aubier c'est un bois qui est plus tendre, c'est plus tendre que le chêne en lui-même. Donc les insectes vont plus facilement dedans. Donc du coup on purge tout ce qui est aubier, c'est aubier pour enlever, pour aller jusqu'au bois, au bois dur en fait, au cœur, pour voir si la section est encore résistante. Et après on sonde aussi les poutres, donc on perce avec des mèches. On va percer à cœur pour voir si l'intérieur non plus n'est pas attaqué. Et donc là, si c'est le cas, en fait, vous séparez les pièces. Si vous voilà, on va les marquer, les pièces, et puis on change pièce par pièce. Rien n'est collé, tout se maintient par rapport à des assemblages manuels. Et on restaure toujours, on n'invente rien là-dessus. On a une charpente qui est comme ça, un colombon qui a été fait comme ça. Nous, on restaure, on ne touche pas à la conception, ça a été bien fait à l'origine. Pourquoi vous n'utilisez que du chêne? Bon, d'abord parce que tous les bâtiments patrimoine sont en chêne. Et c'est aussi parce que le vert, chêne, enfin le bois vert, a priori, ne convient pas pour quel motif? Bah, le chêne, c'est qu'il dure vachement plus dans le temps. Et si il n'y a pas de contrainte d'humidité ou de verre, c'est vraiment d'humidité, trop d'extérieur, ça peut durer des années et des années.